Attendez, on va essayer de les attirer dans l'eau, ou je sais pas, mais... Je récupère mes outils quand même. Ah, ah. Cours, Flanou, cours. Coucou tout le monde, c'est Flanou, on se retrouve pour un nouvel épisode de votre série préférée, FNAF, Flanou contre les animatronics de FNAF. C'est parti, let's go. Merci à tous pour vos commentaires et d'ailleurs n'hésitez pas à proposer dès maintenant. Chut, Funtime Freddy là, arrête de crier. N'hésitez pas à proposer dès maintenant quel animatronics vous voulez revoir au prochain épisode. Et aujourd'hui c'est un épisode très spécial puisque c'est l'épisode 13. C'est l'épisode le plus maudit de la série. C'est parti. Alors, premièrement, je vous ai prévu des jolies petites choses. Hein. Bonjour toi. On va monter en... Ouh là là, bonjour toi. Alors j'ai vu que je pouvais faire spawn la tête de Golden Freddy, donc si vous voulez que je fasse spawn la tête au prochain épisode, dites-le moi, hein, voilà. Je sais pas ce qu'elle fait la tête, ça se trouve elle va me bouffer, j'en ai aucune idée. Voilà, donc on va commencer, on va y aller en douceur, hein, bien sûr, on va y aller en douceur. Et nous allons faire spawn ici, derrière le rideau, un animatronics très horrible, voilà, que vous m'avez suggéré dans les commentaires. D'ailleurs, pensez à mettre dans les commentaires ce que vous voulez voir au prochain épisode. C'est parti. Donc, je vais faire spawn fantôme Freddy. Ouh là là. Ah oui, effectivement, je vois pourquoi vous le vouliez. Ah oui, je comprends mieux là. Bonjour Fantôme Freddy, ça va bien? Tu vas bien? Tu passes un bon moment? Ses yeux, ils sont horribles. Attendez, fais voir, j'essaie de voir ses yeux. Ah ouais, quand même, ouais. Ah ouais, quand même, ouais. Vous trouvez pas qu'il ressemble à un melon? On dirait une pastèque. Je vais faire la maline et tu vas voir après. Bon, du coup, comme c'est un peu trop simple, je crois que je vais enlever les bateaux parce que moi, franchement, j'ai fait le piège le plus ultime. Les animatroniques, ils peuvent plus rien me faire maintenant avec les bateaux. Donc ouais, on va les retirer. Ensuite, pour le jardin que j'ai fait du coup aux frères et à la sœur, vous avez plutôt bien aimé. Vous m'avez dit par contre de rajouter des petits trucs. Et surtout, je sais pas pourquoi, mais ils se collent dans ce coin là. Ils m'agacent un petit peu. Du coup, attendez, on va faire un truc. Je vais faire genre comme ça et genre comme ça, tu vois. Comme ça, ils peuvent pas. Voilà, peut-être qu'ils changeront de coin du coup. Mince, comment je sors moi? On va faire des jumps. En vrai, s'ils font des jumps, ils peuvent sortir et me tuer, hein. Mais je sais pas s'ils sont assez intelligents pour ça, les animatronics. Allez, oh bah, j'arrive pas. Pff, c'est moi qui dis que ils sont pas intelligents et c'est moi qui arrive pas à faire le jump, quoi. Non mais Flanou, voyons. Dernier épisode, épisode sur les Foxy, spécial Foxy. Je me suis même pas fait tuer, donc j'espère que vous êtes fiers de moi, hein, franchement. Parce que là, depuis le début, à chaque fois, je me fais tuer par... par inattention, moi, je dirais. Hein. Je fais pas exprès, hein. Bah oui. Puis là, bah voilà, quoi. Donc, Fantôme Freddy, on va voir ce qu'il fait, du coup. Moi, il me fait pas peur de ouf, tu vois. Genre... On dirait une pastèque. À partir du moment où je me dis c'est une pastèque, voilà, j'ai plus trop peur, quoi. Mais ouais. Des patates lundi. Du coup, j'ai pas prévu de piège pour lui. Ah, je sais, on va essayer de faire un piège à l'ancienne. On va prendre du bois et on va faire avec des trappes comme ça. Voilà. Donc là, j'ai 20 trappes. Je sais pas si ça suffit, je vais en faire un petit peu. En gros, on fait un trou et on met des trappes comme ça. Comme ça, les mobs, ils croient qu'ils peuvent marcher dessus. Et en fait, ils tombent dans le trou. Voilà. Là, par contre, eux, ils sont réveillés, donc... Oh! Oh my god, j'ai eu trop peur. Heureusement qu'il est allé dans le bateau. Bon, je vais finir le piège, du coup. Là, je risque plus rien, vu que... Ouais, bonjour, Freddy. Comment tu vas, Freddy? Ça va bien ou quoi? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, hein. Bah oui. Ok, bon, la pastèque, elle est... C'est bon, la pastèque, elle est... C'est bon. Oh là là, j'ai... Oh là là, mon cœur, il a sursauté quand même, hein. Enfin, je sais pas comment on dit, mais ouais. En fait, j'essaierais bien de le libérer parce que... J'ai envie d'essayer de le mettre dans le trou, quand même. Mais là, si je libère, je libère aussi Minirina, quoi. Je suis pas sûre là, je suis pas sûre de ce que je vais faire, hein. Je suis pas sûre. Oh là 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 là, j'ai peur. Attendez, si je déplace mon échelle. Hop.
si j'essaye de façon safe. Voilà. Là, je me mets ici. Et j'essaye de casser le bateau. Ben, je suis trop... Mais attends, mais là, ils vont me tuer, non? Est-ce que je suis assez haut, là? Ouais, je suis assez haut, je pense. Attends. Oh, j'ai le stress, j'arrive pas à casser le bateau, ça me stresse. Ça me stresse, ça me stresse. Mais pourquoi j'arrive pas? On fait F3B, ça affiche les hitbox. Ah ouais, la hitbox du bateau, c'est... Oh my god. Mais moi, je veux juste voir comment vous bougez, en fait. Laissez-moi casser le bateau, quoi. J'avais pas prévu ça, hein. Encore une fois, j'aurais dû poser mon stuff parce qu'à chaque fois, je perds tous mes trucs. Mais non! Mais comment Candy est sorti? Ah, ils sont sortis tous les deux, le frère et la sœur. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Lisez-moi! Oh purée, là, c'est devenu n'importe quoi! Ah non, non, mais c'est pas possible! Mais c'est pas possible! Laissez-moi! Mais attends, mais comment ils sont sortis, le frère et la sœur? Ah, purée, ils vont plus vite que moi en plus! C'est horrible! Purée, mais là, je suis en train de payer pour tout l'épisode où je suis pas morte! Vous voyez, là, je suis en train de payer! Attendez, on va essayer de les attirer dans l'eau ou je sais pas, mais... Je récupère mes outils quand même! Ah! Ah cours, fais le cours! Comment ils sont sortis? Mais non! Mais... Ah là là, va falloir que je les renferme en plus. Attends, viens par là, viens. Va falloir que je le ramène vers le parc, quoi. Oh purée, il me suit. Oh oui, il me suit encore. Bon, on va le laisser ici. Je vais partir très loin. Normalement, il va pas me suivre. Oh purée. 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 Vite. On essaie de la ramener, du coup. Viens, viens, viens. Elle me suit ou pas? Ouais, elle me suit. On essaye de la ramener dans l'eau avec son frangin, là. Elle me suit ou pas? Elle est où? Elle est là, ok. Je vais te ramener dans l'eau avec ton frangin, là. Comme ça, dès qu'il fait jour, hop, je vous ramène. Allez, venez. On va attendre qu'il se rapproche un peu plus de la rive et après, moi, je vais traverser. Purée, mais quelle galère! Mais j'avais pas prévu qu'ils allaient s'enfuir. Donc, j'avais dit F3B. Voilà. J'arrive pas à casser le bateau, hein. J'arrive pas du tout. Attends. Oh bah j'ai réussi à casser le bateau. Oh my god. Ok, c'est bon. Oh purée! Ils sont où là? Ah, il y a Mini Rena. Oh my god, comment je l'ai tracé là? Vas-y, vas-y, vas-y. Défends-moi, Security Puppet! Elle me défend jamais. Wouhou! Wouhou! Vous l'avez vu, le Mini Rena à la porte? Oh my god! Alors attends. Il est où Phantom Freddy? Moi, je voulais juste voir à la base comment se déplace Phantom Freddy, hein. Je crois qu'il faut pas que je m'arrête là. Il est derrière, je pense. Je pense qu'il est derrière moi. Ah non, il est pas derrière moi. Bah, il est où? Oh, il est dans le bateau avec Mangel. Bah, d'accord. Bon, par contre, il y a toujours Mini Rena qui se balade quelque part. Je sais pas où, hein. Fouh, cette nuit aurait été pleine de surprises. Salut, Wither et de Bonnie Truc. Eux, ils veulent que ça sortir aussi, hein. Regardez-les. Mon piège, il a pas du tout marché, par contre, hein. Parce que là, Mangel, je crois qu'on va la mettre avec eux. Donc, Mangal, allez, tu vas habiter avec ceux qui font la barbe à papa, parce que t'es trop mignonne. T'es trop mignon ou mignonne, je sais plus. Et du coup, bah, tu vas aller avec tes petits amis. Voilà, je vous présente Mangal. Soyez gentils. Soyez gentils, Mangal vient d'arriver avec vous. Voilà. En vrai, il fait peur, mais je sais pas. Est-ce que je le mets dans la prison haute sécurité? Je vais le poser là en attendant. Ensuite, faut que j'aille régler... Arrêtez avec les musiques, là. Je m'entends plus parler. Oh là là.
Ensuite, il faut que j'aille régler le problème du frère et de la sœur. Je sais absolument pas par où ils sont sortis, en fait. Ils sont trop intelligents. Pour le moment, je vais les mettre là. On va aller summon le nouvel animatronics. Non, mais c'est vraiment un épisode maudit, en fait, le 13. Je disais ça comme ça au début, mais ouais. Finalement, franchement, purée. Celui-là, il risque de finir dans la prison de sécurité. Hein. Je vous le dis direct. Hein. Alors, summon, fantôme, mangle. Voilà. Ouh, il est sérieux, lui? Toi, prison de sécurité. Allez, on va aller creuser. Je réglerai le problème du frère et de la sœur plus tard, du coup. Là, je vais passer ma journée à creuser pour la prison haute sécurité, pour mettre, du coup, Phantom Freddy et Phantom Mangle, parce que, ouais, non, clairement, on a eu un petit aperçu, là. C'est pas la fête à la saucisse, hein. Donc, ouais. Later. Attends, faut que je fasse deux autres prisons. Oh, purée, mais il y a elle aussi. C'est vrai que je l'avais oublié, Minirina. Qu'est-ce que je vais faire de toi? Vas-y, je vais l'enfermer. Elle est toute petite. Je vais pouvoir l'enfermer dans une petite boîte. Voilà. Comme elle est toute petite, normalement, elle pourra pas sortir, là. Du coup, c'est parti. J'ai construit cette prison-là. Je vais mettre Phantom Freddy dedans. Allez, hop. Bonne nuit. Par contre, le problème, là, c'est qu'il va falloir que je fasse une autre prison haute sécurité, mais je sais pas si je vais avoir le temps. Ce qui est bien, c'est que depuis mon toit, je vois bien la prison haute sécurité. Ça, c'est cool. Je vois à peu près tout le monde, en fait, hein, depuis mon toit. Je vois pas trop les Foxy. Ah, d'ailleurs, j'ai pas vérifié si le Foxy s'est encore couché, là. Oh, je crois que oui, je crois qu'il s'est encore couché. Ah si, bah non, il s'est pas couché, du coup, il est bien là. Vous êtes bien trois, là-dedans. Ah si, il s'est couché encore. Purée, mais c'est quoi ce délire? Sachant que dans les commentaires, il y avait personne qui avait aucune idée de comment ça se fait. Du coup, on a toujours pas élucidé ce mystère. Le Foxy, il se couche, quoi. Phantom Mangle. Je l'ai pas vu, du coup, encore. Est-ce qu'il va bien vouloir sortir de la pizzeria? Bah, ça se trouve, ils sont devenus gentils avec moi, en fait. Non? Attends. Ouais, il a l'air gentil, hein. Phantom Mangle! T'es gentil? Bah, franchement, il a l'air grave gentil, hein. Attends, je vais mettre devant. Ouh! Oula! Ah oui, non, il fait un bruit quand même qui fait peur, hein. Non, mais il a pas l'air de me foncer dessus, donc moi, je me dis... Oh, ok, j'ai rien dit. Wow. Pourquoi tu faisais le gentil? En fait, tu voulais m'attirer dans la pizzeria, c'est ça? C'était ça ton plan, en fait, depuis le début. Attention, moi, j'ai des bateaux, hein. Attention, hein. Vas-y. Oula. Oula. Oh, j'aime pas comment il marche. Let's go. Ok, c'est bon. Il m'a même pas suivi, en fait. Ah non, il est dans un bateau. Et les bateaux, ils gagnent trop, en fait. Hein. Bon, bah parfait. Du coup, je vais pouvoir continuer ma prison haute sécurité pour cette nuit. Parce que franchement, le jour, j'ai pas assez de temps hein, pour m'occuper des frères, des sœurs, des... tout ça, des fugitifs, là. Oh, quelle galère. Donc, bah, c'est parti. Je vais faire prison haute sécurité. Je crois que je vais préparer plusieurs cellules. Comme ça, je serai tranquille. On va se refaire une pelle, en plus. Je crois que j'ai du diams, donc parfait. The next morning. Préparez-vous mentalement là, genre âme sensible, s'abstenir. Âme sensible, éloignez-vous de l'écran. C'est le pire des animatronics. Genre vraiment. Pour moi, c'est le plus horrible. Donc c'est parti. Il s'agit de Shadow Bonnie. Je l'aime tellement pas, regardez. Genre là, il fait jour, donc je risque rien. Mais regardez, c'est juste une ombre dans la nuit avec... Il me fait trop peur. Il me fait trop... Je l'aime pas. Toi, direct prison haute sécurité, toi, direct. Bah d'ailleurs, on va vite. On va aller continuer à la prison, parce que là... déjà, Phantom Mangle, toi, Phantom Mangle, c'est sûr que tu vas dedans. Et l'autre, là, c'est le pire. Franchement, c'est le plus... horrible des animatronics. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, sur le niveau de la peur, il est... genre, il est au-dessus, quoi. Il est vraiment au-dessus. C'est le plus horrible. Voilà, du coup, les deux prisons sont faites. Donc, pour Phantom Mangle et pour Shadow Bonnie. Donc, déjà, on va mettre Phantom Mangle. Je me demande comment je vais réussir à attraper, par contre, Shadow Bonnie. Hein. Ça va être quelque chose, hein. Allez, hop.
Voilà. Allez, passe une bonne nuit. Ah, faut que j'aille récupérer du verre aussi. J'en aurais pas assez. Ah, quelle galère. Tac, voilà. Rentre là-dedans. Voilà. Alors là, s'ils ressortent, franchement, c'est que c'est des as... C'est des pros de l'échappage, quoi. De s'échapper. Hein, parce que franchement, là, je vois pas comment ils peuvent faire. Hein. Je vais me mettre ici. Comme ça, on va voir s'il vient. Le frère et la sœur, qu'est-ce qu'ils font? Ok. Ils ont l'air d'être bien enfermés, là. Est-ce qu'il va vouloir sortir, du coup, Shadow Bonnie? Attends, je vais m'approcher un peu. J'aime bien venir ici, en fait. Non, ça a l'air bon. Franchement, ça a l'air bon. Je crois que j'ai corrigé... Coucou. Ça va? Bah oui, vous pouvez plus sortir maintenant. Bah oui, vous êtes super mignons quand même. Regardez, ils sont ultra cute. Ils sont trop mimi. Mais il est toujours là-bas, en fait. Hein. En fait, ça va. Il a l'air gentil. En fait, ça va. Je crois qu'ils sont devenus gentils ou quoi. Regardez. Oh non, il est pas gentil. Ah non. Viens dans mon trou. Wow, je l'ai capturé. J'ai capturé Shadow Bonnie. Oula. Attends. Hop. Et un petit lapin dans la boîte. Et voilà, j'ai capturé Shadow Bonnie. Oh my god, j'aurais jamais cru que je l'aurais capturé comme ça. Je suis beaucoup trop forte. Par contre, comment je vais faire maintenant pour le ramener dans la prison de sécurité? Ça va être très compliqué. En tout cas, je suis trop contente. J'ai capturé l'animatronics le plus horrible de FNAF, de tout FNAF, enfin selon moi. Hein. Vous me direz lequel vous trouvez le plus horrible, mais moi, pour moi, Shadow Bonnie, c'est vraiment quelque chose. Donc je suis trop contente. Là, il est hors d'état de nuire, là. Là, c'est bon, tu vas plus faire de mal à personne. Et oui, je t'ai capturé. Vous avez vu, je les tue pas quand même, je suis super gentille, hein. Enfin voilà, du coup c'était l'épisode 13 de FNAF, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qui vous voulez voir au prochain épisode. Du coup je vous fais plein de bisous, on se retrouve au prochain épisode, pensez à mettre un petit like si vous avez kiffé la vidéo, et plein de bisous à mardi prochain 16h45 pour la prochaine vidéo FNAF. Voilà, merci aux membres de la chaîne pour leur soutien, plus particulièrement aux membres Emeraude, merci à vous Takumi et Sovnap. D'ailleurs n'hésitez pas à aller voir ce que c'est les membres, pour ça vous cliquez sur le bouton rejoindre, il s'affiche en dessous de la vidéo. Également j'ai une nouvelle chaîne pour ceux qui veulent suivre les redifs de live Twitch mais qui n'ont pas du tout accès à Twitch. En fait sur Twitch elle dure 15 jours, du coup j'ai fait une chaîne exprès pour ceux qui peuvent pas aller sur Twitch et voilà. 15 jours après du coup, 15 jours après la diffusion du live, je le remets sur YouTube. Vous pouvez d'ailleurs voir toutes les redifs de la cité du swag, c'est Flani VOD, je vous mets ça en description. Plein de bisous, très bonne soirée à tous. Faites de beaux rêves avec Shadow Bonnie. Ouais. Bisous. Bye bye. Au revoir tout le monde. Bye.